Après le passage des tempêtes Kiran et Domingos, l'Europe constate les dégâts. Au moins 20 personnes sont décédées à travers le continent et l'Italie est le pays le plus durement touché. 7 personnes sont mortes et 2 toujours portées disparues. En Toscane, d'autres cours d'eau ont débordé dimanche près de Pistoia. Le gouverneur de la région a revu à la hausse à 1 demi-milliard d'euros le bilan de ces derniers jours. En France, où la tempête Kiran a déjà fait 3 morts, un agent Enedis a été tué dans le nord-ouest de la Bretagne alors qu'il était en train de réparer les dégâts causés au réseau électrique. Ce dimanche après-midi, 247 000 foyers français étaient encore privés d'électricité selon les derniers chiffres fournis. Dans l'est de l'Europe, 2 personnes sont mortes en Bulgarie. L'alerte orange a été émise dans tous les districts du pays. Ces nouvelles intempéries surviennent 2 mois seulement après la mort de 4 personnes dans des pluies torrentielles qui ont inondé une partie de la côte bulgare de la mer Noire.